Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un test. Aujourd'hui, on va tester ceci, donc la Ambernic RG350. Donc cette fois, ça n'a pas ressemblé à cette espèce de fausse PS Vita de merde ou de fausse PSP qu'on avait testé la dernière fois. Cette fois, c'est un bon produit. Alors, elle n'est pas dans la boîte, hein, déjà. Je l'ai déjà sorti, j'ai déjà fait 2-3 trucs avec. Donc, on a un écran 3,5 pouces de 320 par 240 résolution. Il y a 16 Go de stockage. C'est un tout petit processeur, vous voyez, de 1 Go avec 512 Go de RAM. Il y a de quoi mettre une carte SD avec d'autres ROM, d'autres émulateurs et tout. Ça tourne sous une version open de Dingux. Dans la boîte, il y a une petite cale en mousse, la console, un câble USB type C, ça c'est important, et puis des notices avec des captures d'écran, tout ça en chinois et en anglais. Donc c'est plutôt pas mal. Moi du coup, j'ai acheté ça en plus. C'est une pochette qui va avec. Alors, c'est marqué AG350 et pas RG, je sais pas pourquoi. Mais bref, on s'en fout, elle est pas trop mal. Elle est pas super épaisse et tout, c'est pas une méga coque, tout ça. Mais franchement, je crois qu'elle vaut moins de 5 euros, il me semble. Donc, pour le prix, vous voyez, un petit truc là. Donc, le câble, il est là. C'est un câble USB type C totalement classique. La console, elle est là-dedans. Donc, je l'ai en noir et orange. Je vais vous parler d'abord d'un truc. C'est qu'il y a un modèle qui s'appelle RG350M. Donc, qui est en alu, je crois. Oui, elle est en alu. Alors, celle-là est en plastique. Les deux joysticks sont en bas et c'est pas les mêmes que ceux-là. Ils sont plus rentrés dans la console. Et l'écran fait le double de résolution. Sauf que c'est exactement le même hardware. Et l'écran, donc, est de meilleure qualité aussi un petit peu en termes de luminosité, tout ça. Mais avec le double de résolution, avec un si petit hardware, un si petit processeur et aussi peu de RAM. J'ai peur en fait que des jeux comme les jeux Super NES, il y a certains jeux Super NES qui sont un peu plus durs à émuler, avec le mode 7 par exemple, ou les jeux Neo Geo, ce genre de trucs, j'ai un petit peu peur en fait que ça marche moyen. Donc, que ce soit moins fluide en fait et que ça tourne un petit peu moins bien. Donc je me dis que ce modèle-là est moins cher. Après, il y a un autre modèle de console dans ce genre que je voudrais vous tester, qui a normalement un hardware plus puissant que ça, avec un écran meilleur que celui-là aussi. Éventuellement, je préférerais vous tester cet autre modèle que la 350M, parce que pour moi, la 350M, ça va être ça, avec un meilleur écran. Et du coup, j'ai peur que du coup, avec cette résolution supérieure, avec un hardware aussi limité, on se retrouve avec des baisses de framerate et tout sur des jeux qui normalement tournent correctement. Donc après j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire, mais j'ai un peu peur de ça. Donc la console en elle-même, vous avez sur le dessus donc L1, R1, L2, R2, parce que normalement, en plus vous vous dites deux joysticks pour des jeux rétro, bon c'est pas... Voilà, parce qu'il faut savoir qu'avec un hardware comme celui-là, les jeux PS1, il y a un émulateur PS1, mais les jeux PS1, c'est pas... Je pense que c'est pas GG. Des jeux en 3D, en tout cas, c'est sûr qu'ils vont pas tourner, qu'ils utilisent les deux sticks. Donc, il y a un port USB 1, c'est un port plutôt OTG. Il y a un mini port HDMI, à savoir qu'il faut mettre le software de la console à jour pour pouvoir l'utiliser. Il y a un port AV casque. Alors ça, vous tapez software, genre mise à jour Ambernic RG350 ou software RG350 ou je ne sais quoi sur Google, vous l'avez en 2 minutes, hein. L'USB 2, donc en type C toujours, pour la recharger. On a deux sticks qui sont cliquables, un start, un select. On a le X, Y, B, A, machin, enfin, vous voyez, truc classique. L'écran fait beaucoup de reflets, il est en plastique aussi, donc faites attention. Une croix directionnelle qui est plutôt un petit peu molle, mais qui est plutôt pas mal. Les sticks aussi, je les aime bien, même si je pense qu'ils vont pas beaucoup servir. Un power, de quoi mettre une autre micro SD. Le plus et le moins du volume qui est en stéréo, le son, avec deux haut-parleurs en dessous. La batterie est cachée là-dessous, faut dévisser pour l'avoir. Et un bouton reset. Donc c'est en plastique, mais franchement, c'est plutôt bien fini. Je vous mettrai une photo de la 350M, et je vous mettrai peut-être des photos aussi, des images incrustées, des autres coloris de ce modèle, parce qu'il y a pas mal de coloris différents. On va tout de suite l'allumer.
Je vais vous montrer les ROM qui sont déjà dedans. Hein. Moi, donc on est sur OpenDingux. Moi, j'ai ra pas rajouté d'émulateur et de ROM encore. Pour l'instant, je vais vous faire une vidéo avec ce qu'il y a dedans. Et éventuellement, pour ceux qui voudraient après peut-être voir ce que ça donnerait avec de la Neo Geo, ou voir ce que ça donnerait, on peut se faire un délire, essayer de faire ça avec un jeu PS1, même si je pense que de toute façon, un jeu 3D, ça marchera pas. On pourra toujours le faire dans d'autres vidéos. Moi, de toute façon, je vais faire du tri après dans les ROM qui sont déjà dedans, et puis parce que j'ai pas besoin d'autant de jeux. Et puis je mettrai ceux que moi je veux vraiment. Donc on peut changer le thème, ce genre de truc. Bon, c'est pas GG, hein. Vous voyez, les menus font quand même pas. Ce menu-là, il faut quand même pas très très envie. Vous voyez. On va tout de suite aller dans émulateur et vous voyez qu'il y a déjà des choses. Je vais essayer de bien me mettre. Des choses d'installer dessus en termes d'émulateur et tout. Moi, j'ai rien touché là. J'ai laissé ce qu'il y avait. On va aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la GBA tout de suite. On va aller sur. Qu'est-ce qu'on peut faire? FireRed, tout ça. Ouais, mais vous voyez, je suis même pas sûr qu'ils sont en français. Donc c'est pour ça, il y a des jeux, je vais les changer. On va aller là-dessus. Voilà. Ah ouais, le son, il est relativement puissant aussi. J'ai remarqué. Mario Bros ou Yoshi Island. On va faire Yoshi Island. Alors ça, c'est des jeux qui étaient sortis sur Super NES, qui ressortent là. Mais bon, vous voyez, avec l'effet un peu 3D, tout ça, le mode 7, justement, là, qui est utilisé. Après, vous avez accès aux paramètres de chacun des émulateurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachez que pour les émulateurs où éventuellement vous auriez des jeux qui rament un petit peu, il y a une astuce qui consiste dans les paramètres de l'émulateur à baisser un petit peu la qualité du son. Et ça permettrait à la console de libérer un petit peu de mémoire pour s'occuper plus de ce qui se passe à l'image. Bon là, ça a l'air de tourner convenablement. Le peu que j'ai essayé, en tout cas, ça tournait convenablement, moi, en off. Surtout, il n'y a pas de désynchro, de déchirure d'écran, de choses comme ça. Alors après, vous n'avez pas la qualité optimale là en filmant comme ça. Mais attendez, je vais regarder à travers la console parce que si je regarde à travers l'écran de la caméra. Bah écoutez, non franchement. Ça a l'air de tourner convenablement. Après, on va pas faire trois plombes sur le même jeu, hein. Ouais, allez. Bon, ça, voilà, ça tourne correctement. C'est tout ce qu'on demande. Les boutons sont assez confortable, il n'y a pas l'air d'y avoir de lag. Et là, je joue au joystick, vous le voyez, ça fonctionne. Ça dépendra des jeux, mais ça fonctionne. Bon, écoutez, on va. Où sont les paramètres de cet émulateur-là? Je ne sais pas, il y a des émulateurs, en fait, c'est un peu plus compliqué d'avoir leurs paramètres. Bon, on va faire un reset, c'est pas grave. Mais il y a certains émulateurs, c'est un peu plus compliqué de voir les paramètres. Je pense qu'il faut les faire dans le menu, on peut pas les avoir en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Il y a Pocket SNES, on va faire un petit coup de Super Mario Kart en espérant que ça fonctionne. On va vraiment tester les trucs, genre avec du mode 7, voilà, les trucs un peu compliqués. On va jouer tout seul. Mario Kart, 100 cm cube. Yes, it's ok. That's right. Allez, on y va. Allez, on y va, on y va. C'est tout sur start, c'est bizarre. Bah, ça a l'air d'y aller, hein. Écoutez, si dès le départ, là, on n'a pas. Comment on accélère? Voilà, d'accord. Bon, vous m'en voulez pas, mais j'avais pas capté comment on accélérait. J'étais parti sur le A.
En plus, là, j'arrive pas à jouer parce qu'il faut que je regarde en même temps si je me cadre correctement par rapport à la caméra. Donc, c'est un peu compliqué. Bah, écoutez, ça a l'air de tourner plus que convenablement, hein. Là, pour le coup, après, c'est pas comme si j'avais joué au jeu original hier, donc j'ai pas exactement en tête la fluidité et tout du jeu d'origine. Mais je pense que ça tourne en full ou en tout cas quasiment. Donc c'est plutôt sympa. On va aller voir de la Mega Drive et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette petite console. On va aller sur Pico Drive et on va se lancer un petit Sonic 3. Voilà, le son il est à fond encore. Après, évidemment, vous pouvez sauvegarder avec les émulateurs. Les couleurs sont un peu plus foncées sur la caméra, hein, par rapport au vrai écran. Il est un peu plus lumineux que ça. Et même là, vous voyez, ça a l'air de tourner correctement. Là encore, le joystick fonctionne. Surtout, il n'y a pas de déchirure à l'écran, et ça c'est bien. Encore une fois, vous m'en voudrez pas pour le niveau, mais les conditions dans lesquelles je suis en train de jouer là, comme il faut que je regarde ailleurs en même temps et tout. C'est un peu compliqué. Voilà, il y a quelques petits, il y a eu quelques petites baisses. Quand on a pris la corde là. Mais franchement, dans l'ensemble, ça tourne convenablement. Après, vous pouvez changer les émulateurs comme vous voulez. Vous pouvez changer les émulateurs comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des ROM comme vous voulez aussi, grâce aussi à une micro SD. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser, je pense. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. En tout cas, vous le voyez. Ah, là, vous voyez, on peut changer les options, tout ça de l'émulateur. Et vous voyez, c'est ici, c'est ça. Si jamais vous avez un jeu qui rame un petit peu, alors désolé pour la notification, vous pouvez changer ça, vous baissez ça, et en fait, ça permet à la console de d'un petit peu moins galérer sur les images, parce que le son est un petit peu moins compliqué à gérer. Il y a Golden Axe, tout ça, j'adore Golden Axe, mais on va pas s'y mettre parce que voilà. Alors la Neo Geo, je vous aurais bien montré, mais il n'y a pas de ROM en fait, faut que j'en rajoute. Il n'y a pas de ROM. La PS1, c'est un jeu en 2D, il tourne bien. C'est la WonderSwan. C'est pas la color en plus, donc bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller voir. Là-dedans, il n'y a pas de ROM non plus. La PC Engine, et il y a des jeux sous DOS. Je sais pas trop comment on peut. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt les dossiers, en fait. Vous voyez, pour ajouter des trucs. Plus que ouais, j'ai l'impression qu'en fait c'est plus les dossiers pour ajouter des trucs. Peut-être quand vous branchez la console à votre PC, faut mettre les ROM dans ces dossiers-là. Là, il y a Arcade Machine, on peut aller voir ça éventuellement. Super Sidekick, Street Fighter 2, machin. Turbo, Super Street Fighter 2, machin, Turbo. On va faire Run Game, j'ai pas touché, il y avait des paramètres. On va voir ce que ça donne, et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Ah, faut faire là. J'étais en train de me dire, en plus, il n'y a pas de son, c'est bizarre.
Allez, dépêche-toi. Bon. Ah, vous regardez pas du tout mon niveau, hein, parce que là, je suis pas du tout en condition pour jouer correctement à ça. Je me suis fait éclater en 2 secondes, je me suis fait tartiner la gueule. Bon, bah écoutez, ça fonctionne, ça a l'air de, là aussi, de tourner relativement correctement. Écoutez, pour les joueurs de rétro gaming qui veulent une console à emporter un peu partout, avec ça, je crois que j'ai dû payer à peine 80 €, je crois. Je vous mettrai le lien d'où je l'ai acheté dans la description. Après, je vous donne pas le prix exact parce qu'il peut changer d'un jour à l'autre sur ce genre de site. Il peut varier de quelques euros. Il changera pas énormément, mais il va varier de quelques euros. Maintenant, si vous voulez jouer à ce genre de jeu et tout, comme ça un peu partout, moi je vous la conseille parce qu'elle est pas très chère et qu'elle fonctionne très bien. Maintenant, il y a aussi d'autres modèles. Donc on essaiera d'autres modèles avec peut-être un hardware un petit peu plus costaud pour voir si on peut jouer à de la PS1 avec des jeux comme Spyro, voilà, des jeux qui utilisent les deux joysticks, parce que là, c'est sûr que c'est mort en termes de puissance et tout, c'est mort. Donc on verra ça dans les mois à venir, peut-être que je vous ferai ça. Donc en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.